juste après le succès qu'on a eu avec le premier festival que de Beethoven, voilà, on a presque le dernier jour, je me suis lancée en disant voilà, au revoir, mais à l'année prochaine pour que du Chopin, parce que je savais que c'était le bicentenaire de Chopin. Et c'est aussi le bicentenaire de Schumann. Donc au lieu de garder le titre que du Chopin, on a rajouté et les romantiques de la génération 1810. Voici pour commencer un tableau de Danhauser. Danhauser était un peintre donc, de cette époque-là. C'est lui qui a dessiné Beethoven sur son lit de mort. Dominique Gondard, elle est enseignante, pianiste, concertiste et elle vient chaque année à Cave, tout petit village à côté de l'Ecat, pendant les 2 mois d'été où elle a son piano et elle se met au piano tous les jours et elle a donc préparé cette année une magnifique conférence qu'on vient de voir qui fait le lien entre Schubert, Beethoven vers les romantiques. Donc ce sont les romantiques, c'est une composition déjà très très romantique, bien qu'il y ait encore tous les critères classiques de couleur et de présentation dans le tableau. Vous voyez dans le fond, celui qui les éclaire tous, celui que tous regardent, c'est le buste de Beethoven. Vous avez Rossini et vous avez le violoniste Paganini, l'exemple type de l'artiste romantique. Il y a au pied de Liszt et qui le regarde amoureusement, Marie d'Agout, donc qui est partie vivre avec Liszt tant d'années, qui lui a fait de fille. Et vous avez, qui passe de Beethoven à Liszt et aux autres romantiques, vous avez des partitions ici. Ce sont les partitions de Czerny, et Danhauser écrit bien sur les partitions, quand on regarde le tableau en détail, il écrit le titre des morceaux, et il écrit que c'est un morceau dédié dédié à mon élève Liszt. Je suis présidente de Les Amis de Terf. Terf, c'est la muse de la musique dans la mythologie grecque. Et c'est une flûtiste, donc ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce nom. Et voilà, j'adore la musique classique. J'ai repris mes études il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans. Et voilà, je fais que ça maintenant. Donc j'enseigne, je joue moi-même en duo avec une guitariste. Donc on a un programme de musique classique. Et avec les amis de Terf, on essaye d'organiser donc des concerts de musique classique. Se battre tous les jours et en plus c'est beaucoup beaucoup de travail. Les gens ne se rendent pas compte que pour les musiciens voilà, c'est du travail et après bon, les concerts ça c'est un plus parce qu'on aime s'exprimer mais c'est pas facile du tout.
j'aime inviter donc à chaque fois les enfants des écoles primaires qui vont pouvoir visiter l'exposition qui se trouve là derrière moi. C'est une c'est vraiment une initiation à la musique classique, et donc tous les élèves des écoles primaires vont assister mardi, pas mardi parce qu'il y a grève, mais jeudi, à un concert uniquement pour les enfants. Donc ils vont découvrir des instruments qu'ils n'ont peut-être jamais entendus. Tout le festival c'est ici. Donc un grand merci à Dominique Gondard pour cette conférence. La musique classique, c'est le fondament de tous les autres styles de musique, et il faut essayer de transmettre quand même ça, que ça continue. Ouais.